Jésus est parmi nous. Chrétien, je vous le dis. Ne levez plus les yeux si haut. Le paradis, où vous croyez qu'il trône à la droite du Père, lui plaît moins que notre humble et misérable sphère. Nuit et jour, à la ville, au champ, Jésus est là. Tout à l'heure, une voix doucement, vous est là, dans l'ombre. Une voix sourde et comme agonisante, c'était lui. Mais non point comme on le représente, d'ordinaire, nimbé de gloire et de clarté. Peut-être, à votre insu, l'avez-vous rebuté. Il est celui qu'on raille, celui qu'on malmène. Et, dans l'immensité de la misère humaine, son corps divin, que vous cherchez au firmament, c'est comme dilué mystérieusement. Oh, chrétien, apprenez enfin à le connaître. Pareil à ces maisons qui n'ont pas de fenêtres, vous ne voulez pas voir qu'il vient sur le chemin, triste, traînant la guêtre, un bâton à la main. Qu'il est légion, lui qui n'a pas un disciple, et que vous l'avez là, présent, un et multiple. Mieux qu'en sa gloire, mieux qu'en d'éclatant tissu, dans les pauvres qui sont les membres de Jésus.